Été reçu par le Premier ministre, la Lisadel, qui a accompagné Madame Chebeya, qui a reçu le trophée MK Salou. Comme vous le savez, c'est un trophée d'honneur pour les femmes qui ont accompagné les grands hommes. Madame Chebeya fait partie des femmes d'honneur qui ont bénéficié de ce trophée. Nous sommes venus voir le Premier ministre d'abord, pour lui le féliciter pour sa nomination, aussi lui remercier pour l'attention particulière qu'il a manifestée à pouvoir recevoir Madame Chebeya. Ce n'est pas facile dans ce pays de voir le Premier ministre réserver de son temps pour recevoir les personnes vulnérables. Et c'est pour la première fois que nous avons demandé l'audience et nous l'avons obtenue pour que Madame puisse lui présenter sa situation sociale, qu'elle traverse avec des enfants orphelins, abandonnés, et la situation aussi de l'évolution du dossier judiciaire de son mari qui est apparemment bloqué. Et pourtant, il faut que ce dossier se débloque pour que l'État congolais indemnise les enfants et la famille afin de permettre à ces familles de vivre. Et nous avons trouvé que du côté de l'autorité, il y avait un sentiment d'accompagnement, un sentiment d'une personne réceptive à son niveau qui doit prendre des dispositions utiles en tant qu'autorité. Merci beaucoup. Le Premier ministre, c'est une personne que j'ai trouvée sereine, attentionnée et qui est à l'écoute de tout le monde. Je lui ai présenté ma situation. Et notre vœu, donc la famille, les deux familles, Bazana Fidel et Chebeya Floribert. Et surtout au niveau du dossier, pour la réouverture du procès. Parce que pour nous, il y a des assassins. Il y a des assassins qui ont fait des révélations. Mais jusque-là, on voit que tout est bloqué. Au lieu que le procès commence, on nous prend encore beaucoup de temps. Et surtout que nous continuons à souffrir. Et nous sommes toujours en deuil parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Même si ces gens-là sont en train de dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais nous, les familles, nous voulons connaître exactement qu'est-ce qui s'est passé. Les véritables assassins, qu'ils soient arrêtés, jugés selon la loi, selon la justice, que la justice fasse vraiment son travail. Et en tant que chef du gouvernement, je lui ai demandé s'il peut. Voir aussi parce que parmi ses attributions, il y a la justice qui est dedans. Donc, s'il peut voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la justice, parce que nous attendons cette justice.